pour provoquer des rencontres entre créateurs d'entreprises, éviter surtout qu'ils ne se retrouvent seuls. C'est l'objet des petits déjeuners de l'information organisés par l'agence interconsulaire et la plateforme Pays d'Ancenis Initiative. Des petits-déj auxquels sont conviés pour apporter leurs conseils par un expert comptable et avocat. Alors les petits déjeuners de la création, c'est des sessions qui sont proposées aux créateurs ou aux porteurs de projets, créateurs d'entreprises. L'objectif, c'est de casser la solitude du chef d'entreprise. Quand il démarre seul. Il y a, on va dire, toute une réglementation difficile. Il y a des conditions disons, d'émergence de l'entreprise qui sont un peu complexes. Et l'objet, c'est d'apporter au chef d'entreprise différents outils sur la gestion, sur l'expertise comptable, sur le juridique dans un premier temps, et puis dans d'autres domaines par la suite. L'idée, c'est de provoquer des rencontres entre les créateurs du pays d'Ancenis et des gens déjà installés, des professionnels, les aider à rentrer dans le monde de l'entreprise, donc des membres de la chambre de commerce, des entrepreneurs déjà installés et des entrepreneurs également qui ont quitté leur entreprise et qui ont du temps disponible à consacrer aux jeunes qui veulent s'installer. Je pense que c'est fondamental d'exposer à quelqu'un d'autre son projet. Ça permet déjà d'alimenter la réflexion et de voir la pertinence de ses idées. Pour nous, l'intérêt, c'est sûr que bon, on a déjà des phases qui ont été réalisées. L'étude de marché, on nous a très bien expliqué ce matin l'étude de marché. Mais j'ai appris beaucoup de choses sur les sociétés et ça me conforte un petit peu sur les choix que j'ai pu faire. Alors la réunion, ça remet plein de choses en tête parce que finalement on a appris des choses, on a lu beaucoup de choses, mais là au moins ça structure. On se rend compte qu'on peut vraiment faire appel à des experts, à des gens très compétents et qui vont vraiment pouvoir nous aider. Tous les créateurs, futurs créateurs qui se présentent devant la plateforme d'initiative locale doivent être accompagnés d'un parrain qui est un professionnel, pas forcément de leur métier, mais qui est un professionnel d'entreprise et avec qui ils sont suffisamment à l'aise pour exposer leurs problèmes. Alors, c'est gratuit, et puis n'importe qui, à partir du moment où effectivement il est dans un processus de création ou de reprise d'entreprise, peut y venir, on est sur quelque chose d'ouvert. Voilà, ça a été très convivial, ça a été sympa, et puis ça fait l'occasion de rencontrer d'autres donneurs de projets. En 2009, Pays d'Ancenis Initiative a accompagné et validé 23 projets de création ou de reprise d'entreprise. Et au bout de 3 ans, 99% des entreprises soutenues par la plateforme sont pérennes.